Catherine Rigbuche de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer une épuisette à oiseaux. Parce que j'ai attendu une épuisette que j'avais commandée pour 10 euros qui n'est jamais venue. Alors, plutôt que de la recommander et se faire avoir de nouveau, j'ai préféré la faire moi-même, surtout que mon père avait déjà un tas de matériel que je pouvais récupérer gratuitement. De quoi avez-vous besoin ? D'un manche. Moi, j'ai pris un manche de golf parce que mon père, faisant du golf, il a, en 10 ans, cassé trois clubs. Donc, j'ai pu avoir facilement un manche de golf, mais vous pouvez faire ça avec un manche à balai. Vous pouvez faire ça, par exemple, avec une chambrière, le manche d'une chambrière qui est finie. Enfin, tout style de manche dont la partie finale est cassée et peut être récupérée. Vous avez besoin d'un filet en coton. Alors, moi, j'ai pas eu le problème de m'en procurer puisque ma mère fabriquait des rideaux brodés à partir de filets de pêche. Quand j'étais gamine, c'était la mode broder sur du filet de coton. C'est une mode d'ailleurs éventuellement à refaire pour ceux qui font des chaînes de décoration. Du fil de fer vert souple. J'ai prends le vert parce que certains sont un peu rigides. Il faut quand même que votre épuisette ce soit assez souple. Et quand vous la posez sur l'oiseau qui est lui-même posé quelque part sur un perchoir, hein, c'est pas en vol qu'on les attrape, mais quand ils sont posés, c'est quand même assez souple et ça risque moins de les blesser. Du scotch renforcé. Une bobine de ficelle de coton et de la ficelle de nylon. Soit vous achetez une bobine, soit vous récupérez suffisamment de long de bout. Alors, je vous fais le récapitulatif du matériel. Un manche, un filet de pêche en coton, du filet de fer vert souple, une bobine de coton, de la ficelle de nylon et du scotch renforcé. En outil, vous n'avez pas besoin de grand chose, soit une pince universelle, soit une pince coupante pour couper votre fil de fer, soit un crochet ou une aiguille de canevas pour vous aider à coudre le filet à l'aide du fil de coton. Donc la première étape, en fait, il s'agit de vous découper votre fil de la longueur voulue plus 5 à 6 cm deux fois en plus de chaque côté, parce qu'en fait, vous allez fixer grâce au scotch, il vous faut une certaine longueur de fixation, 5 à 6 cm de chaque côté pour fixer votre boucle, c'est bien que vous scotchez ensuite sur votre manche. Alors moi, j'avais fixé ça sur les côtés et je me suis aperçue après avoir mis le filet, que j'ai dû ramener en avant avec un bout de ficelle, qu'avec le poids du filet, ça penchait du coup vers l'arrière. Donc il vaut mieux prévoir et plutôt placer les deux bouts de fil de votre fil de fer devant le manche et du coup le filet sera placé derrière. Quand vous découpez votre filet, il faut qu'une fois que votre filet est plié en deux, vous ayez un bord qui correspond à la longueur de la demi-circonférence de l'anneau. Donc comme il est plié en deux, ça vous fait le double, ça vous fait la circonférence totale de votre anneau. Et les deux côtés qui seront à coudre, ça vous fait la profondeur du filet. Donc, réfléchissez à la taille de votre oiseau parce que ça sera noué déjà en fonction de la taille de votre oiseau. Et la profondeur, ben, ça sera aussi fonction de la taille de votre oiseau. Hein. Faut que ça fasse plus que l'épaisseur de votre oiseau. Il vaut mieux trop long que trop court. Vous pourriez toujours raccourcir après. Donc, vous cousez deux bords avec le coton en vous aidant du crochet ou alors de l'aiguille à canevas. Moi, je l'ai fait avec le crochet. Et en fait, après, vous pouvez fixer le bord qui reste, qui n'est pas cousu, sur votre épuisette. Donc voilà ce que donne l'épuisette une fois finie.
Bon, je ne l'ai pas essayé parce que le temps que j'attende que ma commande arrive, qu'elle n'arrive pas et que finalement l'épuisette, j'ai réussi à la faire, Beren rentrait à peu près tout seul dans sa cage. Donc j'ai pas eu trop de problèmes avec le tien. Alors n'hésitez pas à discuter pour le matériel, comment se le procurer, si vous avez des pistes, parce que moi j'avais déjà tout le matériel, et comment ça se passe à l'usage. Merci de m'avoir regardé.